Gauche, gauche, droite, droite. Vous voulez qu'on fasse un petit gauche, gauche, droite, droite ? S'engager concrètement. On va jouer à GTA. Pourquoi j'ai une veste ? Parce que c'est les Césars. Regardez, ils sont là, les Césars. Ils sont juste là. On va se mettre les Césars, mais on va quand même jouer à GTA. GTA, monde ouvert incroyable. On n'est pas dans le mode online. J'ai un rototo qui était coincé. Mais là, du coup, voilà, je suis en mode César. Bon, je suis plus en mode commentateur sportif vu le casque et le mic. Mais l'idée, ça va être du coup d'aller se balader un peu dans GTA tout en passant un petit moment en tant que cinéphile et en tant que mec qui a choisi les Césars. Moi, j'ai mes pronos, donc j'ai choisi les Césars. Les Césars, donc on va voir s'ils ont bien suivi les indications que j'ai données. En fait, ouais, pour tout vous dire, si je m'étais rappelé qu'il y avait les Césars, j'aurais juste regardé les Césars. En fait, j'avais annoncé que je faisais un live GTA ce soir et j'ai fait merde, mais il y a les Césars. Donc je me suis dit bon bah on va jouer à GTA en regardant les Césars. Ok, bon bah je suis ravi en tout cas qu'on puisse passer cette soirée ensemble. Pour les gens qui n'ont pas canal, bah vous pouvez subber si vous n'avez pas canal et que vous m'utilisez pour regarder les Césars par contre s'il vous plaît. On redistribue un peu les richesses quand même. Ah c'est en clair. Bon bah subbez pas. Donc là vous pensez que ces caisses, véritablement, elles sont protégées? C'est ça la première question que je me suis posée là. Tu sais, il y a des caisses, ça donne envie d'essayer quoi. Vous pensez c'est interdit de les voler? On va y arriver, on est d'accord. Comment on peut faire? Parce que je refuse que le jeu m'oblige, enfin m'empêche de voler de voiture. C'est GTA, c'est quand même la base. Vous savez ce que ça veut dire GTA en américain? Enfin en français? Bah ça veut dire on vole des caisses. Je pense même que si tu voles toutes les voitures du jeu, c'est là que t'as 100% dans GTA, c'est le concept. Donc on va trouver un accès, on va réussir à voler des caisses parce que c'est le nom du jeu. En vrai, j'espérais me dire qu'avec une caisse, je pouvais défoncer les grilles, mais je pense que c'est ça, ça bouge pas. Hein. Alors, est-ce que la grille va bouger? Et ma reconnaissance pour cette si talentueuse. Et voilà, j'étais sûr que c'était en béton armé quoi. Ça me vénère ce qui se passe. Donc là, si les frères Rockstar, créateurs de GTA, ils m'empêchent de voler des voitures, bah vous savez ce qu'on va faire avec toutes ces voitures? On va les faire exploser. On va les faire péter les caisses. Est-ce que vous m'avez bien entendu? S'il y a une caisse que je ne peux pas voler, je la fais péter. Mets une voiture devant la grille et monte dessus pour escalader. Je pense pas qu'on puisse. On va tester quand même. Et là imagine j'arrive à passer et c'est fini. Alors que j'étais hypé. Bien sûr pas à nous. Non tu voyais. Non. Mais il a été le résultat. Oula. Ah, j'ai cru qu'on pouvait peut-être passer dans le petit interstice. Donc voilà, on aura essayé, hein, les amis, de monter normal, truc et tout, machin. Maintenant, il va être question d'aller acheter des bombes collantes, parce que j'en ai pas. Wow. T'es des bombes que tu jettes, là. Et j'en jette sur toutes les caisses. Merci. Et je les fais toutes péter en même temps. Je fous des bombes collantes sur toutes les caisses et je les fais toutes péter en même temps. Je me fais applaudir pour mon idée. Mon film là, tout simplement noir, je peux plus me le voir ce film. C'est à cause de mes anciennes dents. Ah ouais, ça doit être trop bizarre quand tu t'es fait refaire les dents et que d'un coup ton film césarisé, t'as une gueule autre. Y a pas de... Ah si c'est là. Les bombes collantes les frères. Faut que j'achète plein quoi. Oh putain. Ah y a meilleur premier film. Ah si, faut regarder, y a Vermine. Et le César du meilleur premier film revient à... Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand. Bon c'est stylé, mais ça aurait été stylé pour Vermine. Ma mère elle doit être contente. Ça fait un mois qu'elle me dit y'a Chien de la casse sur Canal, il part tel jour, faut regarder, c'est bien. J'ai toujours pas regardé. Le dites pas à ma mère, j'ai pas regardé. Judith Godrèche. Ah bah bon, on va regarder. Merde, c'est où le truc des caisses? C'est un drôle de moment pour nous, non? Je suis teubé, moi, j'ai pas mis de repère. Dans ma rébellion, je pensais à ces termes qu'on utilise sur un plateau. Silence, moteur demandé. Ça fait maintenant 30 ans que le silence est mon moteur. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, elles se cognent, elles se blessent, mais elles rebondissent. Les petites filles sont des punks qui reviennent déguisées en hamsters. Et pour rêver à une possible révolution, elles aiment se repasser ce dialogue de Céline et Julie vont en bateau. Céline, il était une fois. Julie, il était deux fois. Il était trois fois. Céline, il était que cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Pas comme les autres fois. Merci. Eh bah bravo, hein. Mon live n'a rarement été aussi classe. Mais c'est bizarre parce que je suis filmé en même temps, donc c'est particulier. Voilà, je crois que c'est pas vraiment le moment de faire des blagues. Mais... Et moi je suis avec mes bombes collantes dans GTA. C'est sûr que là d'un coup je vais pas faire prout prout quoi. Enfin ça fait un décalage marrant, mais bon je vais pas manquer de respect, tu rigoles, enfin voilà bref, pas là quoi. Un mec qui vient faire de la merde par-dessus des femmes qui enfin a les paroles qui se libèrent un peu, bon. Pendant ce temps, je n'osais pas vous demander non plus, c'est où que... C'est quoi, c'est le César de quoi là? C'est le meilleur César du film À l'envers, c'est écrit à l'envers, à court-métrage d'animation. Attribué. Je connais pas. Été 96. Très bon été, il était 96, très bon été. Et donc j'osais pas non plus vous dire, c'est où déjà les garages? Parce que j'ai merdé, j'ai pas mis de repère. Et j'ai traîné dans le quartier et j'ai retrouvé. Donc maintenant, on va pouvoir essayer de faire exploser des véhicules. Faut pas que je me gourde boutons. Mais surtout, est-ce que vous pensez que le jeu, que les frères Rockstar, ils vont me laisser poser des bombes, jeter des bombes à travers la grille ou pas? Parce que s'ils me laissent pas jeter des trucs à travers les... César et
Ah merde, fais chier, c'est nul, ça va pas faire sauter la caisse ça. Ça passe je pense, bah non t'as vu il l'a posé. Ah il faut l'acheter de loin peut-être. Bon tant qu'à faire, attends je vais le faire sur une autre caisse parce que... Y'a une caisse là ou pas? Attendez, y'avait une caisse là tout à l'heure. Putain, le temps qu'on fasse l'aller-retour, je pense qu'il y a un mec qui a entendu mon plan, il a fait « Oula, on va virer ma caisse ». Putain les gars, là je fais sauter juste des grilles quoi. Ou alors il me faut que je monte sur un truc plus haut que cette caisse, parce que vous avez vu là, je pouvais pas être... En fait, il faut l'acheter en cloche, mais j'avais pas assez de hauteur. Il faudrait ce petit van là, pour pouvoir être un peu plus haut, pour pouvoir jeter un peu en cloche, vous voyez. Ah, Mars Express, c'était bien. C'est meilleur film d'animation. Bah Mars Express, ça serait cool. Je fais une voix dedans. Mon moi de, du dernier gauche-gauche-droite-droite, il fait une voix dans Mars Express. Le César du... Mars Express. Linda veut du poulet. L'histoire d'une femme qui pour cette... Qui veut manger du poulet quoi. Ouais c'est baisé les gars. En fait il y a un mur invisible. Regardez, elle est posée dans le vide la bombe. Il y a un mur invisible, putain de sa race. Ça me vénère, c'est honteux ce que vous faites les frères Rockstar. Est-ce que vous pensez que là, faire exploser les bombes ça va faire péter toutes les caisses? Ah non, faut que je rappuie je crois, ah non. Ça c'est les phares. J'ai tout fait péter, j'ai fait tout sauter. Alors, on va regarder maintenant. Celle-là, elle a sauté. Celle-là, elle a sauté. Alors, les frères Rockstar? Alors, les frères Rockstar? Vous avez cru quoi? J'ai tout fait sauter, on n'a rien vu. Alors, les frères Rockstar? Ah, ça fait plaisir. Et les frères Rockstar, là, ils sont en mode... Ah, le salaud. C'est pas magnifique? Bonjour, Bruno Sommier, Jean-Louis Autré pour Le règne animal. Ah oui, meilleur quoi ils ont eu? Putain, je suis pas du tout... Thomas Caillé et son équipe se sont inspirés... Trois règles de... Inspirés, il a dit. Hein. Effet visuel. Ah oui. Ah merde, j'ai les schmitts. Merde! Ah ouais, ils sont là quoi. Ça va les Schmitt? C'est vous la cuisine? C'est Schmitt ou pas la cuisine? Les gars, on s'en fout, on a les Schmitt au cul, mais on a fait... Oh putain, regardez toutes ces voitures qu'on pourrait faire exploser. Les frères Rockstar, on va faire exploser toutes ces caisses, je vous le dis sans faille. Vous croyez que la police, ça va me faire peur? Les nommés pour le César non. De la révélation masculine. Ah, moi je veux Milo. Bah, ça serait cool que ce soit Raphaël Quenard, mais on préférait qu'il ait le César du meilleur acteur directement pour Yannick. Mais il y a Quenard pour Chien de la Casse. Mais j'avoue, le fils dans Anatomie d'une chute, waouh, il m'a tellement eu. À Raphaël Quenard. Ah, il aura pas bien. Oh, alors il aura les deux, mais s'il a les deux, c'est too much quoi. Mais bien, ouais, Raphaël. J'attends la petite musique pour accentuer les côtés émotion. On va s'amuser, ça commence maintenant. Et je voudrais remercier mes parents qui sont sans doute devant la télévision, la boîte à troubadour. J'espère qu'ils sont branchés sur la bonne fréquence. En tant que petit-fils de paysan, je voudrais dire une chose, c'est que la culture, comme tout le reste, elle dépend et elle n'est rien sans l'agriculture. Et donc je voudrais dire un merci et un respect infini à tous ces gens qui travaillent d'arrache-pied. Et sans qui l'émission L'amour est dans le pré n'existerait pas. La musique qu'il lance là, on n'a jamais été aussi loin dans la musique quoi. On découvre qu'elle est longue. Bah il est trop chambé Raphaël. On vous tiendra au courant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont... ils remarquent pas qu'il y a des trucs qui clignotent les gars. Ils tiltent pas du tout qu'il y a des trucs qui clignotent à fond quoi. Ouais, ouais. Les gars? Là je vais tout faire sauter. Et vous pensez ils vont s'en foutre également quand je vais tout faire sauter? Quel César ils donnent là? Alors les nommés pour le César du meilleur acteur dans un second rôle sont... Ah, Pio Marmaille, on l'a donné à Pio Marmaille. Moi j'avoue, Yannick je l'avais vu au cinéma, je l'ai revu là. Mais Pio franchement dans Yannick il est trop chaud. Parce que tu t'y attends pas à ce qu'à un moment donné son envolée là. Attendez mais genre c'est drôle, ça me fait rire qu'il voit pas. Attendez, on va s'amuser un peu plus que ça. Non ils vont partir si je jette une bombe trop près d'eux. On est sollicité. On croit t'avoir vu, bientôt on veut t'avoir vu. Oula! Et finalement on a rien. Putain! Pio Marmaille dans Yannick. Non? Le fameux monologue. Fermez votre gueule! Mon gars, redescends. Et le gagnant. C'est Pio. Et... Allez Pio. Ah il est bien. Mais il est pas là ce soir. Les gars putain on avait des trucs à faire péter là. Je pensais pas qu'ils... En fait j'avais peur qu'ils se barrent les mecs. Mais je pensais pas qu'ils allaient carrément me tuer quoi. Les jeunes, j'ai demandé à un conducteur de camion s'il pouvait bien me prêter son camtar. Au début, il m'a dit non. J'ai juste un tout petit peu insisté. Et il m'a dit, ah, ça a l'air d'être important pour toi. Et du coup, il m'a dit, vas-y, let's go. Et du coup, là, j'ai récupéré son camion. Alors, donc, qu'est-ce qu'on faisait? Ils nous ont quittés cette année. Nous leur rendons hommage. Ma copine. Alors, on avait mis un repère là et on voulait faire sauter les caisses. On finit ce qu'on a commencé quand même. Hein. Voilà, c'est là nous qu'on voulait faire tout sauter. Ça serait cool qu'on mette des bombes partout et qu'ensuite on se trouve un bête de spot pour voir ça de haut. Mais y a aucune caisse dans les trucs. J'en ai marre que les frères Rockstar ils regardent mes lives et qu'ils me parasitent. Y a aucune caisse dans les garages. Vous, attendez, c'est sérieux là? Bon bah tant pis. Hein. Je suis obligé de faire sauter ma caisse à moi quoi. C'est pour ça qu'on peut accéder au balcon du coup. Génial, ça j'aime.
Ah merde, pardon, c'est les gens qui sont partis cette année, là, je suis en train de... Il leur manque un peu de respect, par contre, parce qu'ils ils sont pas foutus d'écrire un seul nom à l'endroit, quoi. Bon, les gars sont dead, hein, donc ils pourront pas non plus mal le prendre, mais ils ont quand même des proches, j'imagine. Putain, mais c'est bad. Ouais, les trucs bad, là. Miss Mef, tu peux nous faire une prédit? J'ai mis une bombe sur le moteur de ce poids lourd, là. Est-ce que vous pensez que si je le fais exploser, d'ici là, je dead ou pas? J'avais oublié qu'il y avait une liste de gens morts en dessous de moi. Et je suis en train de dire, je dead ou pas? C'est horrible. Eh, hey, vous pensez je meurs ou pas si je fais exploser la bombe là par rapport à tous les gens morts en dessous, plus ou moins? Ouais, c'est ça, ça peut être ça, Miss Meuf, sinon la prédit. C'est si je fais exploser une bombe, est-ce que je rejoins les gens en dessous de moi qui défilent avec du piano? Ah, c'est horrible. Vous avez 2 minutes. Ouais, contrairement aux gens en dessous qui en ont plus aucune. Ok, c'est bon, les gens arrêtent de dead. Ok, on peut faire le truc. Tout le monde a voté. Alors ça donne quoi le sondage? Explosion égale mort. 56% oui, 44% non. Donc là, je vais appuyer sur le bouton droite, ça va faire exploser ce camion et du coup, on va pouvoir découvrir si je dead ou pas. Vous êtes prêts? Attention! Oh, le petit chat, tu veux dire bonjour? Oh, le petit saut. Allez! Putain, elle sait plus sauter, quoi. Et vous notez que j'ai mis une veste, mais que j'ai aussi pas mis de couvre-chef. T'es en mode, c'est les Césars. Voilà, sois mignon, que tout le monde puisse prendre sa petite dose de mignonnerie. Tout le monde grille que j'ai mis que un costume en haut, par contre, là. Ah, à cause de toi, les gens, ils grillent que je suis en jean. Oh là là! Alors. Ah non! Je me suis fait arrêter! C'est pas grave, en même temps, on avait fini ce qu'on avait à faire. Mais j'ai rien suivi, quoi. Bah du coup, on a fait... Là, on est... Ça y est, on est... Pour la première fois depuis le début de ce live, on est orphelin de mission. Gauche-gauche-droite-droite. Vous voulez qu'on fasse un petit gauche-gauche-droite-droite? Parce que comme vous le savez... Enfin, comme vous le savez, non, mais... Je suis un peu frustré du dernier épisode de gauche-gauche-droite-droite parce qu'il était certes incroyable, et je lis vos retours et ça me régale, et je suis trop content que ça vous fasse marrer à ce point. Mais ma petite frustration sur cet épisode de gauche-gauche-droite-droite, c'est que moi, dans gauche-gauche-droite-droite, ce que j'aime bien, bah c'est faire gauche-gauche-droite-droite pendant 4 heures, de manière absurde. Et juste, on dit nimp et c'est tout, quoi. Et là, j'ai fait gauche-gauche-droite-droite pendant quoi, une demi-heure, je crois, avant le happening. Donc je suis un peu frustré. Du coup, on pourrait en faire un en voiture dans GTA, un petit peu, quoi. Mais un jour, j'aimerais bien en faire un vrai dans GTA pendant 4 heures. Un vrai gauche-gauche-droite-droite, quoi. Pour défendre... Ah, ils veulent faire le jeu de la portière. Ah merde, il m'a eu. Aïe, j'ai plein de pompiers qui sont fâchés après moi, là. Allez, jeu de la portière. 1, 2, 3, 4. Ah, ils sont pas forts, les pompiers. Nous, on veut juste faire un gauche-gauche-droite-droite et on se fait embrouiller. Oh, regardez, ça se bastonne entre riverains et pompiers, j'adore. Regardez, lui, il tabasse un pompier. Il faut les femmes pour réussir. Ah putain, lui aussi, maintenant, il veut se battre avec moi. Regardez, alors qu'il est pas pompelard. T'es quoi, toi, déjà? Tout le monde veut me sortir du truc de pompier, mais c'est quoi cette blague? Et pourquoi tout le monde veut me sortir du truc de pompelard? C'est drôle. Mais les gars, vous êtes pas pompelard! C'est quoi ce bordel? Vas-y, casse-toi. Dégage. Pourquoi tout le monde veut m'empêcher de voler un camion de pompelard? Il y a le feu chez lui ou quoi, lui? Ah merde, j'ai les flics au cul. Oh, ça part en couille, les gars. On veut juste faire un go... Oh putain, il y a des pompiers morts partout. Qui a fait ça? Ah ouais, il y a eu carnage, quoi. Ouais, il tire avec le jet d'eau. Attendez, comment ça? On peut tirer avec un jet d'eau? Quoi? Ah ouais, le métro, il fait mal, hein. Apparemment, on n'a pas le droit de faire des gauche-gauche en droite dans GTA. Eh non, c'est un collier, chéri. C'est pas pour le chien, c'est pour toi. C'est pas pour le chien, c'est pour toi. Si vous connaissez pas, régalez-vous, hein. Sur les Bakri Jaoui. Cuisine des dépendances, un air de famille, le goût des autres, comme une image, parler de la pluie, au bout du compte, place publique. Je vous ai fait toutes leurs films. Un petit Didier, c'est vraiment les meilleurs. Encore. Du coup, c'est triste que Bakros nous ait quittés. Quand vous êtes à mes côtés, ça va, mais quand je suis toute seule... Non mais là surtout elle, en plus elle voit ça, là, César d'honneur, on lui balance ça dans la gueule. Pff, elle va être dans un état d'émotion là. Si vous connaissez pas, en tout cas là, si vous vous dites mais c'est qui, bah allez jeter un coup d'œil, vous regardez les films qu'elle a fait avec Jean-Pierre Bacri. Si vous voulez en voir qu'un, parce que voilà machin, bon bah vous regardez Un air de famille ou Le goût des autres. Et c'est trop chaud, enfin c'est sur les rapports humains, sur, enfin voilà, c'est vraiment ce qui se fait de mieux dans le cinéma français pour beaucoup de gens, en tout cas pour moi. Honneur qui m'est fait en m'offrant ce prix, vous saluez le travail que j'ai accompli avec Jean-Pierre Bacri. Quelle grande dame! What a grand dame! Et nous, on en est où? On sait plus où on en est, hein. Bon, on avait fini, on est à nous, on doit faire un gauche-gauche-droite-droite. Bon, on va reprendre une ambulance, hein. Oh, ça recommence. Ils veulent tous faire le jeu de la portière, ils sont insupportables. On a autre chose à faire, en fait, nous. Allez, un petit gauche-gauche. Alors. Gauche, gauche. Si je veux faire un vrai gauche, gauche, droite, droite, faut que je mette la... Comment on fait pour mettre la vue intérieure? Ah, donc là j'ai fait... Ah oui, c'est bien ça. Simple comme Sylvain. C'est quoi meilleur film étranger? Ah ouais, Perfect Days aussi. Attends, je l'ai donné à personne ça, mais je suis un ouf moi. Là c'est mon premier droite ou faut que je fasse... C'est mon deuxième gauche. Donc premier droite. Ok, droite, droite. Donc là gauche, gauche.
Oh merde, regardez gauche où ça nous envoie. Gauche et droite, on part sur l'autoroute. T'as heureusement que dans gauche, gauche, droite, on prend pas l'autoroute comme ça parce que... Attendez, on est sur une autoroute, y'aura jamais de gauche. Bah si, là. Gauche. C'était mon premier gauche, faut que je refasse un gauche maintenant. C'est un peu dangereux, gauche, gauche, droite, hein. Bah, faut que je tourne à gauche, là. Ah, c'est bah là, c'est là. Elle est plus grande. C'est là, gauche. Ok, donc ça c'était mon deuxième gauche. Droite. Ok. Oh ! Incroyable ! Y'a un gars qui veut chier ! Alors ce qui se passe dans le lore de mes lives, les gars, c'est incroyable. Ce gauche, gauche, droite, droite m'a amené à un endroit culte de mes streams, le best-of numéro 3 de ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube de best-of Twitch. Alors... Ce sont des chiottes. On suppute qu'il n'y a jamais personne dans ces chiottes. Et que juste les ouvriers sont pas foutus de bien vérifier. Parce que personne ne sort jamais. Et tu vois là, en gros, il a essayé d'ouvrir, il a mal insisté, et il pense qu'il y a quelqu'un, il y a personne, gars. T'es pas le premier, frère. Et c'est pas grave. Est-ce qu'il est aussi susceptible que le gars de la dernière fois? Vous rappelez, le gars de la dernière fois, il a cru que je voulais le doubler, il a voulu me péter la gueule. Mais ce qui était marrant, c'est qu'une fois qu'il a... Ah, ils doivent se dire que je suis ambulancier, par contre, j'avais pas pensé à ça. La dernière fois, le gars, il a cru que je voulais le doubler, il a voulu me tabasser, quoi. Je veux parler ici au nom de la France. Yann Dedé. Il va vouloir me tabasser aussi. Ah mais c'est le même gars avec un casque. Alors regardez la tête du gars là, ok? On va voir si c'est le même gars qui avait envie de chier la dernière fois. Je vais dans ma galerie et on va comparer les photos. On a un regard cam. Alors, maintenant comment on voit la galerie? Est-ce que c'est le même gars qui veut chier depuis la dernière fois? Eh, c'est le même gars, hein. Regardez. Lui là. Ok? Imaginez-le avec un petit casque. Hey, c'est le même gars. Il n'a toujours pas chié, ce gars, depuis le Best of 3. Mais vous vous rendez compte comment il doit avoir envie de chier depuis le temps qu'il attend? C'est une chanson de Francis Cabrel. Il doit avoir envie de chier depuis le temps qu'il patiente devant cette cabine d'ouvriers. Bon gars, tu peux te casser, En fait, on va essayer de faire comme l'autre fois, on va essayer d'ouvrir les chiottes, mais j'ai pas envie de le contrarier, tu vois. On va faire ça, regardez. On va faire un traquenard, on va le faire venir par là. Ah bah, il a peur. Assurer qu'elle existe. Oui, il va où est-ce qu'il va chier? Parce qu'à chaque fois, il va chier ailleurs, au final. En tout cas, casse-toi, reviens pas. Il a une démarche marrante, lui. Ok, c'est bon. On a libéré les chiottes, on va pouvoir les ouvrir sans être gêné d'empêcher un gars de chier, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce film, merci. Oh non! Bravo, Justine, mais putain! Il y a encore un gars qui fait la queue, quoi. C'est insupportable. Bon. Ah c'est bien, le grillage ça me fait un petit... Ah il attend toujours quoi. Ça va être compliqué de chier là peut-être, non? Dégage par contre en fait. Ça il est chiant lui hein. Oh, là en même temps t'es bien caché gars, chie là peut-être hein. Franchement là c'est pareil que des chiottes de chantier hein. Chie là, te prends pas la tête. On vit des aventures bizarres avec ce gars hein. Il va vouloir qu'on se tape. Je vais terminer. Oh non. Une fois cette folie arrêtée... Mais va chier. Le César de la meilleure actrice est attribué... J'ai donné à qui? Sandra Hüller. J'ai donné à Sandra Hüller. Enfin, ils m'ont écouté. Je pensais pas qu'il faut qu'on rende hommage à... Je voulais faire qu'on fasse une anatomie d'une chute. Rendons hommage à Sandra Hüller. J'attends un train pour faire une bonne chute. Ah oui! Ah là là, mes petits châteaux. Maintenant, anatomie d'une chute. Une belle chute, hein. C'est cinématographique ce que j'ai fait. Hein. On pourra pas me dire le contraire.